Eh bien salut à tous les gens, c'est Zikrai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit unboxing de la manette de Gears of War 4. Une très très belle manette. Voilà donc petite dédicace, même une grosse dédicace à mon cousin Bat Miroir. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je vais la mettre dans la description. Voilà donc c'est son cadeau, hein, c'est pas le mien. J'en profite pour faire un petit unboxing. Donc on va découvrir une boîte assez jolie. Une manette vraiment très très belle. En Bluetooth, hein, sans fil. Voilà, manette sans fil, donnez une nouvelle dimension à votre jeu, équipez-vous d'une manette Gears of War 4, comprend un téléchargement de 3 packs Gears et d'un emblème lobby exclusif, donc faut avoir le jeu pour en bénéficier. Voilà, donc vous avez deux piles fournies avec, donc on va voir tout de suite maintenant la manette en question. Alors elle s'ouvre comme ceci, et voilà, on tombe directement sur la manette, magnifique. Je sais pas si vous voyez, si vous avez une bonne visibilité. Bah là aussi on a une bonne visibilité avec la caméra. Voilà, très très belle manette. On regarde le derrière. Elle a un beau cul. On voit un petit peu le logo de Gears of War. C'est même pas Gears of War, ça doit être une équipe, je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça. Et voilà. Et donc on voit les griffures ici. Vous avez un relief sur la manette en fait. Vous avez vraiment les griffures qui sont faites. Vous avez des creux. Pareil pour le viseur, ici vous avez une sorte de viseur comme pour les snipers. Vous avez vraiment des trous ici. Là ici il n'y a pas de relief vraiment sur le logo de Gears of War, le crâne. Et donc voilà. Sinon dans la boîte, il y a les piles, donc les deux piles fournies avec. Le manuel. Donc un manuel de Microsoft qui doit expliquer un petit peu les conditions d'utilisation. Le code en question que je vais pas vous montrer sinon vous allez le piquer. Donner une nouvelle dimension à votre jeu. Donc ça non, c'est pas le code, c'est de la pub. Donc ça c'est le code. Télécharger votre emblème exclusif de jeu. Non, télécharger votre emblème de jeu exclusif et votre 3 packs Gears. Voilà, donc vous avez un pack derrière. Et sinon c'est encore une notice. Et là encore une notice en chinois. Donc s'il y en a qui veulent lire le chinois. Et là sinon le pareil, une notice encore pour comment connecter la manette à la console. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour cette manette qui est vraiment magnifique. Je vous la conseille en termes de beauté. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelques questions à propos de la manette ou soit d'autres. Voilà, moi je vous dis à la prochaine les gens. Ciao !